Bonjour à tous, alors nous sommes dimanche 20 août 2023, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana et ce matin je suis à Lidl de Alès puisque je suis de retour dans le Gard. Alors arrivage spécial cuisine, vous savez une de mes thématiques préférées, donc je vous fais une vidéo donc ce matin, donc demain vous reverrez peut-être des articles qu'on n'a pas vus ce matin, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors la friteuse à air chaud. Alors, friteuse à air chaud pour cuire des frites, des nuggets, faire des muffins sans huile. D'ailleurs, j'ai un groupe aussi sur Facebook qui permet aussi d'échanger sur l'enseigne Lidl. Et j'ai déjà vu vos retours sur cette friteuse à air chaud. Donc, les retours sont plutôt positifs. Le seul petit point négatif qui revient à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est une friteuse à air chaud pour maximum 2 personnes. Ou pour faire des petites portions. Après, on peut être plusieurs, mais si on a besoin de faire quelques petites portions de frites ou autres. Mais en tout cas, je vous dis que des avis positifs dessus. Donc, c'est une friteuse avec laquelle on peut griller, cuire et rôtir. Ça peut être aussi sympa. Moi, je vois beaucoup d'amis autour de moi qui l'utilisent, enfin, dont les enfants l'utilisent. Quand je dis enfants, c'est ado, pré-ado, pour quand ils ont besoin de réchauffer des nuggets, enfin, des choses déjà préparées. C'est beaucoup plus simple que de prendre une poêle, de mettre de l'huile, du beurre, etc. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui ont déjà acheté cette friteuse à nous mettre vos retours. Elle est à 44,99€. Donc la température de 80 à 200 degrés, 1,6 litres et 1000 watts. Et minuterie 30 minutes avec fonction d'arrêt automatique. Ensuite, la marmite en fonte d'aluminium 24 cm. 3,5 litres va sur tous les feux, même induction. Pareil, hein, la gamme Ernesto avec tout ce qui est poêle, fait tout, j'ai vraiment des bons retours. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une graduation à l'intérieur en litres. Moi, je trouve que c'est bien, parce que des fois, faut mettre un litre et demi. On n'a pas forcément pour mesurer, donc je trouve que c'est un petit plus. Le retour du mixeur plongeant, le trio, comme j'appelle ça. Avec le pied pour la soupe, mais ça peut être aussi le pied pour mixer, pour faire des smoothies. Le fouet, le récipient en verre doseur avec volume utile de 700 ml avec graduation, 600 watts. Donc ça, si j'oublie, sinon c'est un 4 en 1 en fait. Je dis 3 en 1, moi j'appelle comme ça, mais parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je vois les 3 accessoires. Et évidemment, pour hacher. Et à l'intérieur, il y a un petit livret avec 5 idées recettes. 22,99€. Organiseur de réfrigérateur. Ça, c'est super pratique. Hop, donc dedans, avec cette taille-là, on peut mettre des pots aussi de confiture. On peut mettre voilà, les fruits et légumes. On a ça et on a celui-là. 4,99€ l'unité ou le lot. Le moule à gâteau avec le fond démoulable. Moule à charnière, 4,99€. Alors, il y a celui-là et puis celui-là aussi. Le moule à cake. Le retour de la machine à pâte à 19,99€. On a d'autres moules à charnière également à 4,99€. Alors ceux-là, le petit plus, c'est qu'ils sont colorés et on a aussi un moule à Kougloff derrière. Vous voyez, donc hop, c'est coloré. On a dans cet arrivage du rose et du vert. Donc on a les trois. Donc le moule à cake aussi, donc 3 modèles. Moule en silicone, on continue à les moules à 2,99€. On a les moules à tartelette, donc il y a 6 moules en silicone, les moules à muffins, le lot de 12, les mini moules à Kougloff. Alors encore une fois, on peut faire des Kougloff sucrés ou salés. Pareil pour les petites tartelettes, on peut faire aussi des petites tartelettes salées en entrée, en apéritif. Et donc c'est 2,99€ le lot. Les accessoires, 4,99€ le rouleau à pâtisserie en acier inoxydable. On a le set de poche à douille aussi. Avec donc 6 douilles, voilà, 5. On a les 5 comme ça. Il y a aussi un adaptateur pour un changement de douille facile. Et la poche. Et on a le couteau à glaçage avec la graduation. Un petit coucou à Nadège, les grilles multi-usages à 59,99€.
Pourquoi un coucou à Nadège? Tout simplement parce qu'on a échangé sur les grilles multi-usages. Alors, on n'avait pas parlé de celui-ci dans cette enseigne-là. On a parlé d'un grille d'une autre enseigne. Mais donc, moi, en réponse, j'avais expliqué que j'avais celui-là de chez Lidl. C'est le plus grand parce que je crois qu'il y a trois modèles qu'on peut voir chez Lidl. Celui-là, c'est le plus grand. Il est vraiment bien, on peut vraiment cuire de la viande. Il est assez puissant, je trouve, pour cuire de la viande, du poisson, pour faire des sandwichs. Il est bien aussi parce qu'on peut l'ouvrir. Et aussi le bac pour récupérer les graisses. Là, c'est pour voir la hauteur. Parce que si on fait des choses épais, des croque-monsieur ou autre épais, donc on peut régler la hauteur. Clairement, c'est un réglable. On continue. Et voilà, on peut aussi l'utiliser comme ça, comme plaque. Alors comme j'expliquais aussi, si jamais c'est pour faire deux hot dogs tous les 6 mois, donc vaut mieux acheter un grill un peu plus petit. Hein. Maintenant, si vous voulez vraiment faire des soirées grillades ou autre, celui-là, il est intéressant. 59,99€. Marmite ou sauteuse en émail, 23,99€. C'est une 7 litres, 24 cm. Donc faible consommation d'énergie grâce à une répartition homogène et rapide de la chaleur. Les hachoirs multifonctions, 11,99€. Alors pour moi, c'est quelque chose dont on a besoin. Alors je dis toujours, faut pas faire de doublons, puisque c'est vrai qu'on a plein de robots parfois dans la cuisine qui font plus ou moins tous la même chose. Et on va en acheter un parce qu'il a une fonction supplémentaire. Alors, en général, le hachoir, on peut faire ça avec d'autres robots, mais je trouve que c'est pratique parce que c'est petit, on n'a pas besoin de sortir le gros robot. Et puis franchement, il est vraiment très bien. Donc moi, j'en ai un depuis des années. Donc Lidl parfois change au niveau des couleurs, mais c'est toujours la même chose. Alors pareil, il y en a un autre qui est commercialisé aussi chez Lidl avec le, comment dire, là le, je sais plus comment on appelle, là, le récipient en verre. Celui-là, il n'est pas en verre, il est en plastique. Il est tout aussi bien. Hein. Alors c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent le plastique, d'autres le verre, ça dépend. Moi, j'ai testé les deux. Hein. Celui en verre, il a une capacité plus grande. Il me semble que c'est 500 ml. Celui-là, c'est 300 ml. Voilà la différence aussi. Celui-là, il est à 11,99€. Vraiment, voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est un des articles. Alors, des fois, je vous dis, bon, je ne vous dis rien. Mais des fois, je vous dis, voilà, si vous cherchez quelque chose pour hacher, celui-là, il est bien. Oignon, ail, amandes, ce que vous avez envie d'hacher. Une fois, on m'a demandé si on pouvait hacher de la viande. Alors, j'ai eu du mal à répondre parce que personnellement, je ne le fais pas. Parce qu'avec ce genre de hachoir, ça va couper la viande, ça va pas faire de viande hachée. Tiens, dites-moi vous si vous l'utilisez ou pas pour la viande. Moi, j'aurais dit non, mais dites-moi votre expérience du coup. Alors voilà, ils mettent pour les légumes, les herbes aromatiques, les oignons, les fruits à coque, etc. Donc touche turbo pour plus de puissance, 11,99€, et dans cet arrivage, il est en noir et blanc. Et il y a aussi, est-ce que je le vois, voilà, il y a ça. Donc ça, c'est pas un cache, parce que moi, ça m'est arrivé aussi de me dire, tiens, c'est un cache, je vais m'en débarrasser. Puis après, en lisant, j'ai compris que non, c'est un cache, oui, c'est vrai, mais c'est aussi, ça sert aussi à émulsionner. Donc après, si vous en avez besoin pour faire des mélanges et tout ça, il faut l'utiliser. En tout cas, il ne faut pas le jeter, ça, c'est pas un cache. 11,99€, la balance de cuisine, 11,99€ également. Donc c'est une balance de cuisine avec le bol amovible. Alors on aime ou on n'aime pas avec le bol. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une anse de suspension, donc on peut le mettre au niveau de son plan de travail ou l'accrocher derrière un placard. Donc deux pièces, maximum 5 kg. Au niveau des couleurs, on a du vert et on a du rose. Voilà. Alors si vous êtes dans... Ah, c'est pas du rose ça, c'est du lilas je dirais. Voilà, ça c'est du lilas aussi. Le retour des cloches à gâteau ou cake, 6,99€. Alors comme je dis à chaque fois, je trouve que c'est pratique pour transporter, si vous devez transporter un gâteau parce que vous allez faire un pique-nique, pour un anniversaire, enfin ce que vous voulez. Donc c'est pratique, on va transporter son gâteau. Mais ça peut être aussi utilisé à la maison quand on fait un gâteau. On met la cloche, si on doit le servir sur la terrasse, dans le jardin, pour éviter que les petites bêtes s'y posent, ou même sur le plan de travail. Et on a aussi donc celui à cake. Donc 6,99€. Ah oui, on l'a en vert clair et en jaune aussi. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'appareil à croque-monsieur. Croque-monsieur gaufre, celui-là. Aigri.
Donc 24,99. Alors tout à l'heure on a vu le grand gris et c'est ce que je vous disais. Si vous c'est pour faire des grilles de temps en temps, celui-là il suffit. C'est juste pour réchauffer vos tacos, vos croque-monsieur, vos pains de mie, ça c'est pas mal. On va avoir trois plaques. Donc celle-ci pour la grillade, pour les croque-monsieur et le gaufrier qu'on a vu là. Donc là c'est le même appareil qu'on voit depuis tout à l'heure, 24,99€. Ensuite dans cet arrivage, on a un arrivage aussi pour les animaux avec le papier rafraîchissant, 9,99€. C'est celui-là. Ça c'est pour, protéger. Oui voilà. Le petit siège hein, pour votre chien, ça évite qu'il mette des poils un peu partout. Et je pense que ça lui permet aussi d'être à sa place. Les couvertures d'extérieur avec housse de protection, 9,99€. Couverture d'extérieur. La tondeuse, 14,99€. On a aussi le coupe-griffe à 4,99€. Le gant de brossage, 7,99€. On a aussi le harnais, alors bien sûr avec différentes tailles, 6,99€. Ça c'est sympa, le panier ou fauteuil suspendu pour les animaux, 17,99€. Elle est trop mignon. Ça peut être sympa si vous aussi vous avez un fauteuil suspendu du coup. Avec le coussin, hein, le coussin est compris dedans. C'est sympa ça. Bac à litière pour chat, 12,99€. On a tout ce qui est housse de protection, tapis pour animaux à 7,99€. C'est pas mal pour protéger sa voiture. Et puis du coup, on a juste à l'enlever pour le nettoyer. Les gamelles, 5,99€. On a celle-ci, on a... C'est quoi? Ça doit être un tapis ça. Ouais, c'est un tapis pour les gamelles. Donc, je pense que c'est un tapis antidérapant. Alors on va regarder, tapis de gamelle, le bord haut évite les débordements d'eau. Idéal pour le coin repas de votre animal, pour garder le sol propre, facile à nettoyer. Et après on a une plus petite gamelle. On a les jeux pour les animaux. La gamelle à 5,99€, alors ils mettent gamelle ou gamelle double, mais je vois que la simple. Là. Elle existe en gris et en vert. Le lit de camp, 29,99€. L'arbre à chat, à 39,99€. Ça c'est pas mal, hein. Ça leur offre un air de jeu, ça leur offre leur petit coin à eux, et puis aussi pour se faire les griffes. Alors vraiment, si vous allez avoir un chat, ou vous venez d'avoir un chat, il y a plein de petites choses. Alors des fois on dit « oh mais non », mais c'est utile, hein. Surtout je pense à tout ce qui est pour se faire les griffes. Je trouve que c'est toujours bien qu'ils aient un coin pour jouer. Donc pour permettre à votre petit félin de jouer, faire ses griffes, se reposer et dormir en cisale résistant et peluche douce, un mat pour s'allonger. Oh, c'est bien ça. 39,99€. Alors ça c'est... Je crois que c'est... Comment on appelle ça? Un panier. Pas un panier, voilà. J'allais dire niche, chercher le mot. Panier. En forme de chat, c'est mignon. C'est 9,99€. Bac à litière avec tapis, 12,99€. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il manque quelques petites choses. En tout cas, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous avez la réponse à des questions, n'hésitez pas à y répondre. Des fois, ça permet de faire un partage et un échange même entre vous. Et puis demain, moi, je lirai vos commentaires. Voilà, bah, écoutez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à plus tard.